amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un haul action, décoration, les nouveautés, enfin voilà, tout ça quoi. Personnellement, je suis allée uniquement pour acheter des cartouches d'encre, uniquement. Je suis ressortie avec 47€, 32 de course. Donc du coup voilà, ils ont une super belle collection sur les nouveautés en termes de décoration. Et j'ai pris également des petites choses pour le bébé. Donc voilà, je vous montre tout ça. Donc commençons par la décoration. Donc nous avons cette jolie bouteille en verre comme ceci. Vraiment très très belle. Donc la taille d'une bouteille classique, sauf qu'à l'intérieur en fait on a une guirlande avec un système électrique où on met les piles en fait et ça va allumer la guirlande à l'intérieur tout simplement. Donc c'est vraiment super comme idée. Moi ça ira dans la chambre du bébé pour faire avoir le temps que ça dure les piles, mais pourquoi pas en faire une veilleuse. Voilà. Et donc du coup cette bouteille en verre, elle m'a coûté 0,49 centimes. Elle était en tête de gondole tout simplement dans les bons plans. Ensuite, un truc hyper moche mais hyper pratique, j'avais plus de lime à ongles, donc j'ai pris ces 3 limes à ongles qui étaient à 69 centimes. Donc voilà, un 3 limes classique. J'espère qu'elle lime assez bien parce que j'ai les ongles qui partent en sucette. Nous avons, alors, que je vous dans le bon sens, ce serait mieux comme ceci. Donc en fait, c'est une housse de protection pour les... comment ça s'appelle, les matelas allongés pour bébé. Donc voilà, avec en vert comme ça pour le contour et éponge sur le milieu avec un petit singe, voilà, dans les verts, les tons verts. Donc c'est parfait, c'est exactement la couleur que je voulais. Et donc celui-ci m'a coûté 2,99€. Ensuite j'ai pris en double des petits ciseaux comme ceci. Donc j'en ai pris deux, un pour le bébé et un pour ma salle de bain. Donc voilà. Un ciseau coûte donc 68 centimes et j'en ai eu donc pour 1,36€ les deux. Ensuite je me suis pris des sous-vêtements comme ceci, c'est des culottes toutes moches, mais de toute façon quand t'es en cloque, faut pas chercher à avoir de la belle lingerie, hein, j'ai envie de te dire. Donc du moment que c'est confortable et que ça me sert pas le bidon, ce sera parfait. J'ai pris en taille M en espérant ne pas avoir été trop audacieuse. Donc... Et ces deux magnifiques culottes étaient en promo au prix de 1,98€. Voilà, magnifique. Ensuite, un petit panier comme ceci, tout simple. Avec un petit, une petite lanière en cuir ici. Donc ce panier, il y en avait de toutes les tailles, hein, des ronds, des plus grands et des plus petits. Moi j'ai pris celui-là tout simplement pour ranger en fait les lingettes et les linges du bébé à côté de la... Enfin posé sur la... comment ça s'appelle? La table allongée, voilà, tout simplement. Et donc ça m'est revenu à 1,95€. Donc un savon comme ceci, donc Château Beau Savon, j'ai craqué en fait sur le design, mais j'en avais vraiment besoin, donc ça va. Tac, qu'est-ce qui... Combien 500ml, donc je vais en avoir pour longtemps. Et donc celui-là m'a coûté 1,39€. Ensuite j'ai repris des enveloppes comme ceci, tout simplement parce qu'il fallait des enveloppes pour l'anniversaire du petit, pour les invitations. Donc ce sachet d'enveloppe m'est revenu à 64 centimes, voilà. Ensuite, j'ai une décoration murale comme ceci. Qui sera pour la chambre du bébé. Donc, j'ai trouvé ça plutôt assez original. En fait, au toucher, c'est du plastique, hein, et du carton. Et vraiment, le. Ouais, je sais pas, c'est très texturé. J'ai vraiment bien apprécié. Et en plus, ça coûtait franchement 3 fois rien. 1,99€. Donc c'est plutôt cool, moi j'aime bien. Et du coup ils ont plein de choses de décoration avec la savane en fait, hein, tout simplement. Ensuite j'ai pris un grand linge à bébé comme ceci.
Donc il est en 100% coton, en 110 par 110. Donc l'avantage des grands langes comme ça, c'est pour au début, notamment à la naissance, les bébés sont assez petits, ils ont du mal à réguler leur température. Du coup il est souvent conseillé d'envelopper le bébé et de le poser dans l'eau au fur et à mesure en fait lors du bain. Et après une fois qu'il est assez chaud, enfin qu'il est assez bien dans l'eau, on lui enlève et on le lave tout simplement. Ou alors pour calmer bébé dans l'eau aussi. Ça peut être pas mal. Donc du coup voilà, on m'a conseillé de prendre donc des 110 par 110 tout simplement parce que je risque d'avoir un bébé minuscule. C'est pour ça que je l'appelle le mini. Voilà. Ensuite j'ai pris des langes. Bah j'en ai pris des comme ça. Donc là c'est les traditionnels, hein, 60 par 60. Alors eux ils appellent ça des couches. Bon, oui parce que ça peut servir pour des couches, la bave, tout à fait. Moi personnellement je n'aurais pas la patience de faire ça, enfin pas au début en tout cas. Du coup là en fait il y en a, donc j'ai pris deux paquets comme ceci. Et l'avantage aussi des langes comme ça, en fait c'est au lieu d'utiliser tout le temps des lingettes pour bébé ou autre, bah voilà, il crache un petit peu, il vomit, il régurgite du lait, bim, tu as ça sous la main, tu l'essuies avec, c'est que du bonheur, c'est du coton, c'est parfait pour les bébés quoi. Et donc du coup ceci m'est revenu 2,99€ l'unité. Et je crois pas avoir dit pour le grand ici, c'était 2,99€ également. Donc voilà, ensuite, alors, comment est-ce que je vais vous montrer comme ça? Donc c'est une réglette en fait qu'on accroche au mur qui va de 50 cm à 1,60 m. J'ai trouvé ça cool, il y a des animaux, il y a des moules. Enfin voilà, il y a des animaux, c'est dans le thème que j'ai envie de mettre dans la chambre de mon bébé. Bon, d'ici là, qu'il tienne debout et que je puisse le mesurer, il y a le temps, mais ça peut être sympa. Donc du coup voilà, ceci m'est revenu à 2,99€. Et enfin, avant dernier article, j'ai repris une brassière comme ça de sport. Toute simple, avec l'avantage bah, c'est qu'elle est réglable ici parce que bah, comme je le disais plus tôt dans la vidéo, quand t'es en cloque, des jolis sous-vêtements ça n'existe pas, ça fait mal en plus les armatures, donc là l'avantage des élastiques c'est que ça sert pas trop. Et en plus on peut enlever les coussins qui sont à l'intérieur, donc moi techniquement je n'ai pas besoin des coussins, donc je vais les enlever c'est sûr. Et bah voilà, c'est plutôt pas mal, ça fait une brassière de plus. Et donc cette brassière de sport m'est revenue, j'ai été étonnée d'ailleurs, parce que j'avais vu plus, à 3,99€ et elle était dans le rayon des 6,99€. Trop mieux. Et enfin, dernier article que j'ai acheté en double, c'est ceci. Donc en fait, c'est des étagères, ça peut être des étagères à photos, hein. Elles sont toutes petites, vous voyez. On a juste à mettre une vis ici et une vis ici, donc qui n'est pas fournie, il va falloir... Bon, enfin moi j'en ai plein, hein, des vis tout simplement. Et donc du coup j'en ai pris deux pour la chambre du bébé en fait, et poser notamment il va y avoir la peluche que sa grand-mère lui a tricotée, enfin voilà, des petites choses comme ça, des photos, des... Donc, ce sera plus des étagères très en hauteur plutôt pour la décoration tout simplement, plus pour les parents que pour l'enfant. À 3,95€ l'unité, soit 7,90€ les deux, oui c'est ça. Donc voilà. Et puis il y a eu aussi les cartouches d'encre que je vous ai déjà montré dans les autres rôles, mais qui sont déjà dans mon imprimante, donc je ne peux pas vous les remontrer. C'est des cartouches d'encre toutes simples, il y a plusieurs marques en fait où elles sont compatibles. Bon, il y a toujours les miennes et c'est 9,99€ au lieu de 39,99€ au Spéru ou Leclerc ou n'importe quel magasin. Donc voilà, c'est quand même une belle économie et ça marche très très bien, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Bah écoutez, voilà pour les nouveautés. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui est en train de faire la vaisselle. Il est gentil. Et puis bon, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!